Bon, ben, salut à tous. On va pouvoir commencer pour l'une de ces dernières sessions de la journée. Il y a un dernier tour, je crois, après, avant qu'on retourne pour le pot. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de Crossplane. Crossplane, c'est une histoire de vilebrequin, de mécanique, ou pas, en fait. Évidemment, moi, je ne fais pas de mécanique. Les crossplanes, c'est une composition de vilebrequin. J'ai appris ça en cherchant un peu. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de crossplane dans le contexte de Kubernetes et des plateformes IT. Alors, pour me présenter en quelques instants, ben, moi, je ne fais pas de mécanique, ça, vous l'avez compris. Je suis plutôt consultant dans le domaine de l'IT, des plateformes, de la data. Je suis Docker Captain et j'anime aussi des communautés meet-up sur Paris, notamment le meet-up Docker, le meet-up Kubernetes et le meet-up Serverless. Alors, pour qu'on fasse un petit peu connaissance, je voudrais savoir, dans la salle, qui est plutôt dev, qui fait plutôt de l'infra, qui est bi. D'accord. Bon, ben c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est un petit peu à la confluence de ces deux mondes. Alors, du coup, aujourd'hui, on va discuter de ce que c'est Crossplane, évidemment. On va essayer de comprendre pourquoi Crossplane apporte quelque chose de nouveau dans l'écosystème. On va un petit peu rentrer dans le détail, dans les principaux concepts qui forment Crossplane. On va un petit peu le manipuler, on va voir ce que ça donne, et puis on en tirera quelques conclusions ensemble si ça vous convient. Alors, Crossplane, c'est un projet open source qui a été lancé par une boîte qui s'appelle Upbound. Ça date de fin 2018. Il s'agit d'une control plane, on va dire une sorte de framework qui a pour vocation d'orchestrer la construction de plateformes qui seront utilisées pour les applications que vous concevez. Alors, Crossplane, c'est un sujet qui a intégré le CNCF en mode incubation en 2020. Et bien que ça soit encore jeune, qui commence, et c'est intéressant de le noter, à être utilisé en production aujourd'hui chez certains acteurs, typiquement la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF en Allemagne. Et la particularité de Crossplane, c'est que l'ensemble des paradigmes sur lesquels il repose sont ceux de Kubernetes, qu'il va étendre allègrement, et ça, c'est ce qu'on va voir. Alors, pourquoi on parle de Crossplane? Pourquoi ça peut avoir de l'intérêt de discuter de Crossplane aujourd'hui? Parce que finalement, il existe déjà pas mal de choses. Vous avez déjà entendu parler de Helm, vous avez entendu parler de Terraform, de Pulumi et d'autres. Pourquoi Crossplane, en fait? Parce qu'en fait, certains sont soit très ancrés dans le monde de l'infrastructure, typiquement. On va parler par exemple de Terraform. Il y en a qui sont très opinionnés comme AWS, CloudFormation, qui est spécifique évidemment à son vendor. On en a d'autres également, comme Helm, qui est évidemment adossé à l'écosystème de Kubernetes. Mais finalement, on n'a toujours qu'une partie du prisme. Pour autant, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'adresser les choses. Parce que vous concevez une application, ce n'est pas juste une histoire de conteneur, ce n'est pas juste une histoire d'infrastructure, de serveur ou de base de données. C'est tout un ensemble de ressources qui peuvent avoir des niveaux d'abstraction différents que vous allez utiliser pour pouvoir déployer vos applications. Le cloud, c'est une pyramide, comme vous le savez, avec de l'infrastructure, avec des services managés. Et le but du jeu, c'est justement d'essayer de trouver la meilleure composition qui va pouvoir fonctionner. Sauf que souvent, vous avez des outils différents, chacun des aspects de votre topologie applicative. Et ce que va apporter justement Crossplane, c'est cette idée-là. Cette idée de se dire que finalement, on va arrêter cette dichotomie avec des gens qui font de l'infra d'un côté, des gens qui ont une perspective plus applicative dans l'autre, des gens qui gèrent des services, d'autres qui font du déploiement de conteneurs. En fait, on va essayer de présenter finalement la conception d'une application dans son intégralité, avec les services managés sur lesquels elle peut reposer, sur les conteneurs qu'elle peut utiliser, etc., etc., pour en avoir une description qui soit globale et cohérente. Ou ses payloads applicatives, mais également avec ses ressources d'infrastructure sous-jacentes. Donc on va chercher à réconcilier ces deux écosystèmes. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'un truc qui s'appelait CNAB? Ouais, tu as peut-être été à la DockerCon à Barcelone ou quelque chose comme ça. C'est un truc qui a fait long feu, qui était sorti effectivement à la DockerCon à Barcelone en 2018. Ça avait été annoncé en grande pompe par Docker et par Microsoft. Il y avait déjà cette intuition, cette idée que les conteneurs allaient devenir un artefact qui contiendrait les applications et leurs sous-jacents. Il y avait quand même cette question de se dire qu'une application, ce n'est pas que des conteneurs. Surtout dans un monde où on veut de plus en plus tirer profit des services managés. Ça ne sert à rien de s'embêter à refaire des conteneurs pour gérer des assets comme des bases de données ou d'autres services, alors que vous les avez déjà disponibles sur étagère parmi tous les cloud providers. Donc, il y avait déjà cette idée de se dire qu'on allait essayer d'assembler une topologie globale et ensembliste des ressources que comprend l'application et dont elle a besoin pour fonctionner.
Pour autant que je m'en souvienne, ce n'est pas allé très très loin comme expérimentation. Mais finalement, cette idée a perduré et aujourd'hui, elle rejaillit au travers de ce projet qui est Crossplane. En termes de concept essentiel, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que Crossplane a cette idée d'universalité, de vous proposer un écosystème qui va vous permettre de vous backer sur différents vendors qui vont chacun vous proposer leurs ressources, mais vous allez pouvoir les intégrer dans un prisme centralisé et unique. Alors pour ce faire, la première chose que va proposer Crossplane, c'est vous de proposer finalement un système de provider qui va vous permettre de vous connecter et d'exploiter, de tirer profit des ressources, d'infrastructures, mais aussi de services managés. Ils ont donc des process pour GCP, il y en a aussi pour aussi si ça intéresse. Ça fait tout un colis fichet finalement de providers à maintenir. Et c'est compliqué, et plus le temps passe, plus c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun de ces providers qui vont permettre à Crossplane d'adresser les différents fournisseurs, bah, chacun gère des collections importantes de services. AWS, c'est plus de 200 services à lui tout seul qu'il faut matérialiser et à qui il faut donner finalement une matérialité dans Crossplane. Ce qui a amené très récemment, pour le coup, c'était fin 2021, plutôt début 2022, l'avènement de TerraJet. TerraJet, c'est l'idée finalement d'avoir une espèce de factory de produits comme patrimoine avec Terraform. Et finalement, Crossplane va pouvoir utiliser finalement Terraform de façon indirecte au travers de TerraJet pour pouvoir déclencher la création de ressources. Finalement, Crossplane va proposer ses propres providers, mais va avoir une espèce de logique de factory de provider universel qui permettrait de déclencher le provisionnement et le maintien de ressources de tout autre fournisseur ou même de votre propre infrastructure également. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on veut installer Crossplane, alors on va essayer de le faire ensemble, on va voir si ça fonctionne. Hop. Alors, la souris, elle est de quelque... Ah, j'ai plus le même écran que vous. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, avant de commencer cette session, j'ai provisionné un cluster pour le coup sur DigitalOcean. C'est juste un cluster Kubernetes des plus basiques. Je l'ai provisionné et je viens de configurer mon client Kubernetes pour pouvoir aller travailler avec. Alors les premières choses qu'on va faire, c'est de créer un namespace qui va permettre à Crossplane de pouvoir créer finalement les différentes ressources dont il va avoir besoin pour fonctionner, pour son fonctionnement intrinsèque. Alors, hop. Ah. Bon, bah du coup, on va pas le faire en live. On va revenir sur les slides. J'avais tout copié, comme ça, on sera tranquille. Alors, hop là. Alors, du coup, ouais, tant pis.
Du coup, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée un namespace dédié qui va permettre à Crossplane de déployer les ressources dont il a besoin pour son fonctionnement intrinsèque. Ensuite, on va utiliser Helm simplement pour pouvoir déployer Crossplane avec Helm. Donc, on fait un repo add du repo de Crossplane, un update, et ensuite on déploie Crossplane dans le namespace qu'on avait créé juste avant, en étant la CLI de Kubernetes qui va nous permettre d'accéder au vocable des commandes de Crossplane. Et ensuite, on n'a plus qu'à vérifier que tout est fonctionnel à ce moment-là. Alors après, il s'agit de déployer les fameux providers. Alors pour ça, on va utiliser finalement les paramètres et les fonctionnalités de chacun des providers pour aller les configurer. Donc là, j'utilise la CLI d'Azure au début pour pouvoir simplement me créer finalement un token qui me permettra d'accéder de façon programmatique à mon compte sur Azure. Et tout ça se retrouve stocké finalement dans le fichier JSON suivant. Je n'ai plus qu'à prendre ensuite ce fichier-là, pour aller le transformer sous la forme de secret qui va me permettre de le thésauriser et qui permettra ensuite à Crossplane d'y accéder pour aller accéder au compte que j'ai sur Azure en mon nom. À ce moment-là, on n'a plus qu'à installer le provider en lui-même. Donc on fait un kubectl crossplane install. Vous voyez qu'on a fait apparaître de nouvelles commandes finalement dans la CLI de Crossplane. On fait un kubectl crossplane install du provider qui se trouve être en l'occurrence le provider d'Azure. Ensuite, on peut faire un get provider et on peut voir apparaître le provider du coup. Alors évidemment, l'un des intérêts principaux de Crossplane, c'est de ne pas s'enfermer dans le prisme de l'un ou de l'autre de ces providers, c'est de pouvoir potentiellement les manipuler tous de façon conjointe, dans une logique par exemple multi-cloud. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que là, je vous ai mis un autre exemple avec ce qu'on aurait... Non, pardon, je suis encore sur Azure. Là, globalement, en gros, je vous présente une autre façon de le configurer, de façon plus déclarative, en faisant simplement un apply plutôt qu'en ayant une ligne de commande interactive. Et une fois qu'on a créé le provider, on n'a plus qu'à finalement instancier le provider en créant un fichier de configuration de provider et dans lequel en fait on référencera le secret qu'on avait défini tout à l'heure et qui permettra à ce driver, une fois qu'il est installé, de pouvoir donc accéder aux ressources sur Azure. Un petit point particulier, je lui ai donné un nom de default qui fait que par la suite, quand je provisionnerai différentes ressources, je ne serai plus obligé de dire que je veux déployer les ressources via tel ou tel provider. Par défaut, en fait, il ira chercher celui-là. J'aurais pu lui donner une instance nommée pour pouvoir sélectionner de façon explicite l'un ou l'autre des différents providers. Si j'avais voulu le faire avec AWS, avec Azure, ça aurait été globalement la même chose. J'aurais juste eu à déployer finalement le provider qui m'intéresse, créer un secret qui m'aurait permis de séquestrer les clés d'accès à mon compte AWS ou GCP, et ensuite stocker ça dans une configuration de provider sur Crossplane. Alors, les concepts essentiels sont les suivants. Le premier, c'est la notion de ressources managées. La notion de ressources managées, en fait, c'est l'idée d'aller mapper une à une les différents types de ressources qui existent chez vos providers dans des objets qui puissent être matérialisés directement sur votre cluster Kubernetes. Au travers de l'extension du principe de CRD, en fait, vous allez simplement créer de nouveaux objets en fait, dans Kubernetes qui reflètent les différents types d'objets que vous pouvez retrouver chez vos cloud providers. Donc on les map un à un. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça fonctionne comme une machine à état. Contrairement à d'autres systèmes qui fonctionnent simplement en one-shot dans une logique de provisioning, en gros, on instancie ces outils pour déclencher le provisionnement de la ressource dont on a besoin, là, on va revenir, on va tirer profit des capacités offertes nativement par Kubernetes. En gros, on va avoir une approche déclarative dans laquelle on va dire je veux une instance de base de données, je veux une machine virtuelle, je veux un cluster Kubernetes. On déclare ce qu'on veut et c'est le système qui va faire converger en fait votre déclaration et la réalité. Et ce faisant,
Et ce faisant, ça veut dire que s'il y a une divergence qui commence à s'installer dans le temps, typiquement si un petit malin va sur la console de votre provider préféré pour aller shooter une instance, une VM, ou alors modifier un paramètre, une policy IAM ou quoi que ce soit, ce qui va se passer, c'est que le système va automatiquement refaire converger votre déclaration que vous avez faite au travers de avec la réalité effective chez votre provider. Cette réconciliation, elle est permanente, et ce qui permet finalement d'avoir une plateforme qui, dans le temps, reflète de façon durable et pérenne la réalité de vos écosystèmes. Enfin, en termes de suppression, il y a différents types de choses qui peuvent être faites. La première, c'est qu'évidemment, quand vous dites que vous n'avez plus besoin d'une ressource via Crossplane, de façon basique, vous pouvez aller la shooter, la détruire sur le provider en question. Vous n'avez plus besoin de votre instance de base de données, vous la supprimez. Pour le coup, justement, je parle de la base de données parce que généralement, quand on a des services managés qui, derrière, sont amenés à faire de la persistance, typiquement une base de données, un bucket S3 ou d'autres choses, globalement, on ne va pas forcément choisir cette politique en particulier. Et donc, on peut trouver des politiques alternatives, typiquement comme le fait de rendre orpheline les ressources. En gros, Crossplane les déréférencera, tandis qu'elle continuera à pérexister chez votre cloud vendor. Du coup, en termes de déploiement de ressources, là, j'ai configuré tout à l'heure mes cloud providers. J'en ai configuré un, deux, trois. J'ai parlé des trois principaux, mais on aurait pu en lister beaucoup d'autres. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser Crossplane pour déployer finalement des ressources. Et comment je vais m'y prendre? Du coup, je vais décrire finalement les ressources que je veux instancier. En l'occurrence, là, je suis sur Azure, donc ce que je crée en premier lieu, c'est un ressource groupe, puisque au sein d'Azure, les différentes ressources que l'on crée, on les adosse à un ressource groupe. Donc du coup, je décris finalement ce que je recherche, la création de ce fameux ressource groupe, sur quel AZ je veux la créer, et je vais le déployer. Globalement, ça va me permettre de faire émerger cette ressource et la faire apparaître finalement sur mon cloud provider. Évidemment, au regard des principes de reconvergence permanente que j'évoquais tout à l'heure, si jamais je vais dans la console de mon cloud provider et je vais la supprimer, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va la recréer. Tout à l'heure, juste avant de commencer la session, je ne sais pas si vous voyez mon écran, j'étais allé dans la console d'Azure pour aller détruire justement un ressource groupe et j'ai été supprimer un ancien cluster Kubernetes sur lequel j'avais fait la démo parce qu'en fait, le ressource groupe revenait systématiquement puisqu'en fait, sur cette ancienne plateforme de Crossplane, il n'avait pas été déréférencé. Là, je prends un autre exemple avec une base de données dans laquelle finalement on va définir le produit qu'on veut, ses différents paramètres, typiquement le stockage, par exemple, la quantité de stockage qu'on veut lui adosser, la version, etc., etc., pour le définir et ensuite pour le déployer. Donc simplement en créant ce fichier YAML et enfin en faisant un kubectl apply de ce fichier-là, en fait, je dis simplement que je veux créer une ressource de type base Postgres sur Azure et il va la créer dans la foulée. Alors, le point intéressant, là, c'est que j'ai déjà atteint un premier point, c'est que Kubernetes et ses paradigmes deviennent finalement mon point d'entrée unique pour provisionner des ressources qui n'ont rien à voir, in fine, à la base avec Kubernetes. Là, je provisionne une base de données en utilisant finalement les paradigmes, en faisant des kubectl apply et en définissant de façon traditionnelle mes ressources, alors que ces ressources n'ont rien à voir. Ça, c'est le premier point qui est intéressant à noter. Par contre, on n'a pas encore atteint finalement l'objectif qu'on s'était fixé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore d'abstraction. Là, finalement, je viens de construire une ressource concrète et tangible chez mon cloud provider, sur Azure en l'occurrence, mais ma définition de cette base de données, elle est mécaniquement adossée de façon concrète au paradigme d'Azure. Typiquement, les paramètres qui sont utilisés sont ceux qui sont finalement définis par le vendor. Et j'aurais voulu le faire avec AWS, le fichier n'aurait pas eu tout à fait la même forme. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer de l'abstraction et prendre de la hauteur dans tout ça. Alors, pour ça, on va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle les composites ressources définition. En gros, les ressources managées que je gérais jusque-là, ou que je créais jusque-là, c'était des ressources unitaires. Très unitaire.
C'est-à-dire que quand je parlais de la base de données, c'est franchement juste la base de données. Or, en réalité, souvent, chez votre cloud provider, quand vous créez quelque chose, ce n'est pas juste une base de données. Il y a peut-être un VPC à créer, il y a peut-être des networks, il y a peut-être des policies, il y a peut-être pas mal de choses à faire en réalité. En fait, en réalité, c'est très atomique. Or, en début de présentation, ce que j'évoquais, c'est qu'on essaye de réconcilier deux perspectives différentes. Des gens qui font de la plateforme, de la tech, de l'IT, et des gens qui déploient des applications. Et les gens qui consomment ces ressources, ces applications, eux, pour une base de données, c'est une base de données. Toute la tringlerie technologique qui est en dessous, globalement, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Et c'est là que ces fameuses composites ressources définitions vont rentrer en jeu. Elles vont définir de façon abstraite qu'est-ce qu'une base de données dans une entreprise X ou Y. Et donc, du coup, on va définir ce que c'est une base de données, mais aussi tous les tenants et aboutissants, les network policy ou d'autres choses, qui vont être nécessaires et connexes à la création de cette instance. Du coup, finalement, on crée un nouvel objet qui est une base de données, en l'occurrence, mais qui est un objet abstrait et qui parle finalement aux gens qui consomment ces ressources. On lui a donné une dimension plus macroscopique et plus tangible pour les gens qui les consomment. Ça, c'est des définitions, vous pouvez le voir comme une logique d'interface, par exemple. Et ça, on le matérialise, puisque si on parle d'interface, on a besoin de l'instancier. Bah globalement, on va la matérialiser au travers d'une composite ressource, qui est la matérialisation finalement de ce pattern, de cette définition de pattern, qui est la base de données. En gros, la composite ressource, dans l'exemple que j'évoquais avec la base de données, c'est la base de données, et avec tous ces éléments qui viennent l'envelopper, que j'évoquais tout à l'heure, les policiers AM, etc. Là, j'ai fait une première chose, c'est que j'ai créé finalement quelque chose qui est abstrait. Et avec cette couche d'abstraction, j'ai réussi aussi à escamoter les particularismes, on va le voir tout à l'heure dans les définitions, les particularismes de tel ou tel vendor. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de ressources managées et que je vous montrais comment, au travers de Crossplane, dans un premier temps, je provisionnais de façon directe une base de données, je vous disais, mais attention, on voit encore des choses qui font penser à tel ou tel vendor. Je n'ai pas encore atteint un niveau d'abstraction. Là, ce qui va se passer, c'est que ma ressource, non seulement elle a une approche plus macroscopique, j'escamote tous les détails des différents aspects du produit que je crée, mais en plus, je peux lui donner une capacité d'abstraction pour ne plus référencer directement le vendeur que j'utilise. Ça va me permettre d'avoir une approche multi-cloud, de définir qu'est-ce que c'est une base de données dans mon entreprise, indépendamment que l'on parle d'Azure, d'AWS ou d'autres choses. Ce qui permettra de transitionner plus facilement. Donc, j'ai défini une interface qui définit ce que c'est mon produit, je le matérialise, je le concrétise au travers de la composite ressource, et maintenant il me reste à faire la glue avec la matérialité des produits techniques que je vais utiliser. Et c'est là que rentrent en scène les compositions. Les compositions, finalement, elles vont servir à faire le lien entre cette définition abstraite et générique d'un produit, qui est décoloré de toute la partie, propre à chaque cloud vendor, et qui est devenu plus macroscopique en enveloppant tous les détails. Et d'autre part, je l'adosse à mes ressources managées, qui sont les artefacts concrets et tangibles que j'ai matérialisés tout à l'heure. Donc du coup, je vais faire le lien avec les différentes ressources managées que j'ai créées. Tout à l'heure, je disais, la base de données, ce n'est pas juste une base. Hein. J'ai peut-être créé des réseaux, j'ai peut-être créé des policies, j'ai créé plein de trucs autour de ça. Globalement, tous ces objets très unitaires, ils sont là. Ce sont mes managed resources. Et la composition, elle va faire le lien entre toutes ces managed resources et la définition abstraite que j'avais définie ici et que je vais instancier de façon matérielle ici. Enfin, si je peux directement travailler avec les ressources que j'ai ainsi créées, et j'ai donc gagné en niveau d'abstraction, je vais aussi avoir pour enjeu désormais de faire en sorte de pouvoir concéder l'accès à ces ressources pour une application ou pour une autre. Et pour ce faire, je vais pouvoir utiliser soit un accès direct à ces ressources, soit je peux créer une indirection avec la notion de claim. L'idée, c'est de se dire que les ressources que je crée, ce sont des ressources qui ont une existence cluster-wide. Mais j'ai potentiellement différentes applications qui, elles, vont devoir être isolées, chacune dans leur namespace, travailler de façon isolée, même si elles sont amenées à travailler et accéder à des ressources partagées de la plateforme.
Et donc, du coup, pour ce faire, soit je peux les accéder directement, soit ce que je peux utiliser, c'est la notion de claim. La notion de claim, voyez-le comme une sorte de proxy qui va permettre, finalement, vu du namespace d'une application, d'accéder à la ressource composite de façon indirecte, de façon à ce que chacun puisse rester de façon propre, isolément, dans son namespace, tout en accédant à des ressources managées qui elles, ont une existence qui est transverse à l'ensemble du cluster que vous venez de créer. Un point important aussi, c'est la question de la granularité. Parce que on pourrait se dire, cette notion de composition, elle pourrait servir à définir l'ensemble, finalement, de l'application. En fait, quand on parle de composition, on ne va pas chercher à définir ce que c'est toute la plateforme applicative, c'est-à-dire, je ne sais pas si votre application elle a besoin d'un bucket S3, une base de données, une machine virtuelle, et des pods à déployer, et que sais-je. Globalement, vous n'allez pas tout mettre dans une composition. Une composition, elle va finalement apporter un premier niveau d'abstraction. Elle va vous dire qu'est-ce que c'est, vu des équipes qui consomment ces ressources, qu'est-ce que c'est une base de données ? Qu'est-ce que c'est une machine virtuelle ? Justement, pour escamoter toute la tringlerie technique que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour autant, on ne cherche pas à en faire un artefact trop macroscopique, parce que ça permet, finalement, quand on déploie une application, de définir finalement les gros macro building blocks dont je vais avoir besoin. En gros, mon application elle a besoin d'un pattern de type base de données, d'un pattern de type, type object storage, elle va avoir besoin d'une machine virtuelle, elle va avoir besoin de ci, de ça. Ça permet d'avoir un deuxième niveau de composabilité au niveau de l'application. Donc finalement, on se retrouve dans une logique où, vu des équipes qui consomment ces ressources, les équipes qui veulent déployer des applications, elles ont finalement des building blocks qui sont abstraits de tel ou tel cloud vendor, qui vont leur permettre d'assembler ces pièces de puzzle de façon abstraite et pour pouvoir construire des plateformes pour leurs applications sans avoir à se soucier des particularismes de tel ou tel vendor, comme cela. Alors du coup, justement, si on rentre un petit peu dans le détail de tout ça, globalement, on va faire un petit peu le tour des différentes ressources que j'ai évoquées. La première, c'est la définition de ressources. Globalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on définit un nouvel objet qui est de type base PostgreSQL. On va définir quels sont les éléments paramétrables de ce type d'objet, typiquement la taille qu'il peut avoir, les paramètres, les variables dont il peut avoir besoin. Et vous voyez qu'on ne fait aucunement référence à tel ou tel cloud vendor. On définit, vu des gens qui seront amenés à consommer cette ressource, les paramètres qui font sens pour eux, en fait, pour pouvoir instancier ce produit. Après, le miroir de cette définition, qu'on peut voir comme une interface, c'est la matérialisation de cette ressource. Et donc, cette ressource, finalement, on la matérialise en l'instanciant avec une ressource composite. Et là, on voit finalement que les paramètres que j'avais définis tout à l'heure, typiquement la taille du stockage que j'avais défini ici, on la retrouve là, instanciée pour une valeur de 20 gigas. On voit aussi que je fais le lien avec la notion de composition, la notion de composition qui va me permettre de faire le chaînage avec les ressources managées que j'avais évoquées tout à l'heure. On voit également aussi un point important, c'est des éléments comme ce paramètre-là, write connections secret to ref. L'idée, c'est de se dire que quand vous créez une instance de base de données, par exemple, c'est bien beau d'avoir créé l'actif, vous allez pouvoir l'utiliser, mais pour pouvoir l'utiliser, il va vous falloir un certain nombre d'informations. Savoir comment vous y connecter, savoir quel compte utiliser, un login, un mot de passe, ce genre de choses. En fait, en gros, ce qu'on définit là, c'est de dire, lorsque cet actif aura été provisionné, où est-ce qu'on va verser tous les secrets, tous les paramètres qui auront été créés à l'occasion de la création de cet actif ? En gros, quand on crée la base de données, les paramètres comme le login, le mot de passe et ce genre de choses seront stockés dans des secrets qui seront rendus accessibles des applications qui vont être amenées à devoir les utiliser pour s'y connecter. On vient ensuite à la notion de claim. Donc, je le disais, les claims, c'est en quelque sorte des proxys qui permettent finalement de créer une indirection entre des applications, des topologies applicatives et des ressources qui, elles, pour le coup, sont transverses à la plateforme. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, on fait appel à la ressource que j'avais évoquée tout à l'heure.
Enfin, et c'est peut-être là le point le plus important, on voit apparaître la notion de composition qui, elle, va faire le lien entre la ressource, qui est cet objet macroscopique et abstrait que j'évoquais tout à l'heure, et la matérialité qu'elle peut avoir sur là où les plateformes que vous allez employer. Parce que si la notion de ressource permet de créer cette abstraction, à un moment donné, il faut revenir se coller à la réalité. Et donc, dans cette composition, on voit que la base Postgres dont je parlais, en l'occurrence, elle est, c'est une Cloud SQL Instance. En gros, c'est une ressource qui va être fournie, en l'occurrence, par GCP. Bien, d'ailleurs, on le voit apparaître d'ailleurs référencé ici. Donc, du coup, ce mapping permet, ni plus ni moins, de faire en sorte que la ressource qui était abstraite et que j'évoquais tout à l'heure aille concrètement provisionner cette ressource et un certain nombre d'autres ressources si nécessaire. La conclusion, c'est que finalement, Kubernetes, c'est quelque chose qui est vu de plus en plus comme une sorte de système d'exploitation universel pour le cloud, de logique universelle. Mais la réalité, c'est que c'est antinomique avec cette idée d'aller tirer profit de toute la pluralité des services managés qu'on peut voir apparaître chez les différents cloud vendors. Pour autant, si Kubernetes est la pièce maîtresse et centrale finalement de tout ça, l'idée, c'est de se dire que bah, finalement, on va essayer de pouvoir utiliser tous les paradigmes de Kubernetes, les CRD, les opérateurs et tous ces éléments, pour finalement donner une approche conceptuelle unique et universelle de la plateforme de ressources de l'entreprise, qui pourrait être adossée à un ou plusieurs vendors, et qui va permettre de donner accès à cette plateforme à des équipes qui sont distinctes, isolées, et qui travaillent chacune dans leur écosystème, dans leur namespace, et qui pourront tirer profit de ces ressources. Elles n'auront plus besoin, ces équipes consommatrices de ressources, d'avoir une coloration par rapport à tel ou tel vendor, puisque finalement, elles travaillent avec des ressources qui sont rendues abstraites, ce qui permettra finalement aussi de favoriser la migration d'un vendor cloud ou un autre. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que finalement, dans cet exemple, et de ce que j'ai beaucoup lu quand je regardais un petit peu différentes démos, globalement, Kubernetes, en fait, dans beaucoup de cas de figure, il est utilisé parfois juste comme un orchestrateur de plateforme. Souvent, dans beaucoup d'exemples qu'on voit, on utilise la notion de pattern de factory dans laquelle, finalement, vous allez avoir un cluster Kubernetes sur lequel vous allez mettre Crossplane qui va servir finalement à gouverner cette logique de topologie d'application, mais ce n'est pas le cluster sur lequel vous allez faire tourner vos applications elles-mêmes. En gros, il vous servira à instancier Crossplane pour pouvoir provisionner d'autres clusters Kubernetes, des bases de données, des ressources de diverses natures pour vos applications. En gros, ça devient une espèce d'ordonnanceur ou orchestrateur qui n'a pas vocation à supporter de façon effective les ressources. Ça devient un micro-orchestrateur qui se charge de déployer les topologies de vos applications sur des plateformes déportées qui peuvent être celles de vos différents vendeurs. Et donc, du coup, finalement, ce qui est intéressant à mon sens avec Crossplane, c'est que Crossplane, il a finalement pour ambition cette capacité de pouvoir finalement refaire converger deux mondes qui étaient distincts, qui étaient d'une part le monde des gens qui conçoivent et déploient des applications et l'écosystème des gens qui conçoivent et portent les plateformes de l'entreprise. Ça crée une espèce de convergence qui s'inscrit un petit peu dans le sillage de ce qu'on avait pu voir à l'époque avec Docker, puisque Docker, quand il était apparu au tout début, un des bouleversements qu'il induisait, c'était que d'un côté, on avait des gens qui construisaient des applications, d'autres qui déployaient les infrastructures et qui posaient ces applications dessus. Et quand Docker est arrivé à l'époque, on s'est mis à avoir des artefacts qui étaient universels, qui contenaient l'application, mais aussi ses sous-jacents, les librairies SSL, les serveurs d'app, qui permettaient finalement de supporter cette application. Mais finalement, Crossplane, c'est un petit peu la même chose à l'échelle de la topologie globale de l'application. C'est cette idée de se dire que bah, finalement, je vais pouvoir définir toute la topologie de ma plateforme d'un côté, je vais pouvoir définir toute la topologie de mes différentes applications de l'autre. Et je vais réconcilier ces différentes perspectives dans un écosystème unique qui sera un point focal en fait, pour pouvoir gouverner finalement mon écosystème. Ça fait apparaître finalement un peu la notion de blueprint qu'on avait pu connaître par le passé et qui était chère aux architectes, parce que finalement on crée des templates composables de ressources qui sont utilisées par les gens dans le métier de déployer des applications. Ben, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Ben, c'est une bonne question. C'est pour ça que beaucoup d'exemples que j'ai pu voir faisaient la dichotomie finalement entre un cluster Kubernetes dont le métier était d'orchestrer et de construire ces plateformes. Et en gros, ce premier cluster, tu le construis avec tes outils habituels, mais ce n'est pas le cluster qui va porter des applications. Il servira essentiellement à Crossplane à aller déployer la création, l'instanciation de clusters Kubernetes dédiés par exemple à une application et qui, eux, porteront les vrais payloads. Donc, c'est vrai qu'il y a une logique un peu d'œuf et de la poule. Et ben, l'idée, c'est que ça, c'est plutôt ce qui va vous permettre de créer la factory, la pièce d'ordre 1 qui vous permettra de déployer les autres ressources par la suite. Ben c'est un bon point, effectivement. Déjà, pour parler effectivement du positionnement d'un Terraform, Terraform est généralement plus ancré dans le monde des gens qui font de l'infrastructure, de la plateforme. Il a moins d'ancrage parfois chez gens qui ont un prisme plus applicatif. Là, ce qui va être intéressant, c'est que finalement, on va remettre finalement cette plateforme dans une logique d'intermédiation, finalement, à la confluence de ces deux univers, là où Terraform sera peut-être parfois plus perçu, adossé à la dimension plateforme que la dimension applicative. Un deuxième point intéressant, c'est que Crossplane a, au travers de TerraJet, enveloppé un peu le problème, si je puis dire, puisqu'en fait, ils avaient commencé à construire toute leur logique de provider à eux, et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de réinventer la roue, et que finalement, ils allaient devoir repenser des choses qui avaient déjà été pensées, décrites, et qui fonctionnaient très bien avec Terraform. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir l'embarquer pour pouvoir finalement apporter deux choses. C'est que, un, le prisme unique, bah, du coup, c'est bien celui de Kubernetes, puisqu'on utilise des ressources et des paradigmes natifs de Kubernetes. Donc, ça permet finalement d'escamoter Terraform et le rendre indirectement accessible à un public plus large, qui est finalement les gens qui sont plutôt sur le versant applicatif. Donc, ça permet déjà d'avoir cette logique d'universalité en l'enveloppant finalement. Le deuxième, c'est que ça permet d'apporter des choses supplémentaires parce que Terraform, on a plutôt tendance à l'utiliser pour faire un provisioning dans un premier temps. Là, on est dans une logique où on va plutôt favoriser la logique de réconciliation permanente. On peut le faire aussi avec Terraform, mais ce n'est pas forcément ce qu'on fait en règle générale. Là, c'est par définition le principe même de la mécanique d'un orchestrateur. Kubernetes, on ne lui dit pas « créez-moi un pod », on lui dit « je veux un pod » ou « je veux un machin qui fonctionne ». Ben, en fait, on a juste développé cette logique-là à tout un florigénège de ressources extensibles à l'infini. Et donc, du coup, finalement, il permet d'avoir une approche enveloppante par rapport à Terraform en l'escamotant tout en permettant d'en tirer profit au travers de TerraJet qui va faire cette interface-là. Il va permettre d'aller conquérir un nouveau public et il va permettre d'apporter cette logique d'universalité finalement en ayant une approche en termes de paradigme qui soit vraiment Kubernetes-centrique. En fait, je partage complètement le point. Pour la captation, du coup, je vais reprendre la question. C'est est-ce qu'on est en train de rajouter des couches et des couches et des couches d'abstraction ? Et en fait, je partage un peu le point. Une remarque que je me suis faite justement, parce que j'en discutais avec un ami l'autre jour, et on était arrivé un peu à la même conclusion.
Il est en train de se passer au travers de projets comme celui de Crossplane. La même chose que ce qu'on voit depuis des années dans le monde du développement. On a des frameworks qui sont toujours plus abstraits, toujours plus enveloppants, toujours plus méta dans le monde du dev. Et ben on est en train de reproduire les mêmes choses dans le monde de l'infrastructure, finalement. Ça permet d'avoir une certaine composabilité, ça permet d'avoir une universalité. C'est très saillant comme paradigme. Mais oui, ça rajoute toujours de l'empilement. Pour autant, je pense que cet empilement a du bon parce que, pour le coup, il permet vraiment d'avoir une logique d'universalité. Là où certains frameworks ne font que de l'abstraction, là, j'ai envie de dire qu'on apporte de l'abstraction, mais aussi de l'universalité. Parce que justement, ça permet d'éviter de devoir déployer des compétences très plurielles dans les équipes, en se disant que bah, finalement, pour toutes les équipes qui consomment ces ressources-là pour déployer leur topologie applicative, bah, globalement, ils n'ont plus qu'à apprendre un prisme qui est celui-là. C'est celui de Kubernetes enrichi avec Crossplane. Et encore, Crossplane, c'est les paradigmes de Kubernetes. Donc, ils n'ont plus besoin de dealer avec tel ou tel particularisme de tel ou tel cloud vendor et de gérer avec tout un florilège de ressources différentes. Parce qu'effectivement, on utilise du Terraform, on utilise du CloudFormation, on utilise plein de trucs. Là, on a de l'abstraction, donc on travaille effectivement en hauteur, mais on a aussi de l'universalité, donc on travaille en largeur, et c'est ce que je trouve quand même néanmoins intéressant de garder en tête. Ah ben alors ça c'est un point intéressant, mais en fait, c'est exactement ce que les cloud vendors ne veulent pas. En fait, il y avait une conférence que j'avais donnée il y a quelques années où je disais, les cloud vendors, si vous voulez, il y a cette logique de pyramide. Au début, c'est comme votre dealer, en fait. Dans le temps, l'infra, c'était de la commodité. Hein. C'était non différenciant. Tout le monde vous vendait un petit peu la même chose. Hein. Une VM, à la fin, qu'elle soit chez Google, qu'elle soit chez Azure ou qu'elle soit chez AWS, ça reste une VM, c'est à peu près le même objet. C'est très commoditisé et globalement, ça se bat plutôt sur les prix parce que tout le monde vous vend la même sauce. Sauf que pour créer de l'emprise, du lock-in auprès de leurs clients, ils ont commencé à développer et à concevoir des produits différenciants pour se démarquer. S3 au début, même si aujourd'hui l'API d'S3 est devenue une espèce de standard de facto, au début, c'est un produit d'Amazon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que globalement, chaque cloud vendor a essayé de construire le catalogue le plus riche possible en créant justement des paradigmes qui lui étaient propres pour se différencier et vous faire rentrer dans ses principes. Aujourd'hui, tout le monde joue un peu le jeu parce que forcément, ils vont dans le sens du courant aussi. Mais la réalité, c'est que ce genre de framework contribue finalement un petit peu à essayer de recréer de l'abstraction et donc de détruire un petit peu certaines formes de lock-in ou de particularisme que les uns et les autres mettaient en place au travers de leurs produits. Parce que finalement, que vous utilisiez une base de données Postgres chez l'un ou chez l'autre, vous allez pouvoir recréer de l'abstraction qui commoditise des produits dont ils essayaient justement de créer de la différenciation. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Là, ça vous permettra finalement d'atteindre un niveau d'abstraction supplémentaire parce que ça vous permettra de composer avec l'OpenStack et avec potentiellement d'autres ressources qui sont justement propres aux uns et aux autres. Le deuxième, c'est que ça amène peut-être cette logique un petit peu de réconciliation du paradigme des gens qui font de l'infra et de la plateforme, parce qu'OpenStack, c'est quelque chose qui est très ancré dans le monde des gens qui font de l'infra, un peu moins dans le paradigme des gens qui déploient des applications. Mais oui, ce que tu dis avec OpenStack est très juste et très important aussi, absolument. Ouais. Ouais.
Oui. En fait, ça va être un framework qui va te permettre de définir, toi, dans le contexte de ton entreprise, qu'est-ce que tu appelles un serveur SQL. Et justement, qu'est-ce que ça implique, un serveur SQL, dans le contexte de ton entreprise. Donc, ça te permet de finalement de créer une abstraction, mais qui n'est pas une abstraction standard de marché. Ça permet de créer une abstraction qui est adossée aux contraintes et limites que tu te fixes en entreprise. Ça, je trouve que c'est intéressant d'une certaine façon, parce que ça ramène quelque chose qu'on avait un petit peu perdu ces dernières années. Moi, je me souviens, il y a quelques années, c'était il y a longtemps maintenant, il y avait VMware qui proposait un système de blueprint. C'était avant qu'on parle d'infra as code, c'était très graphique. Mais c'était plutôt des produits qui étaient tournés vers les architectes, qui sont un petit peu moins au centre de l'échiquier aujourd'hui, mais qui avaient cette idée de dire on va construire des patterns standards, des building blocks standards, et les gens dans l'entreprise vont utiliser des building blocks standards pour essayer d'avoir quelque chose de globalement cohérent tout au travers du système d'information. L'intention était bonne, et aujourd'hui, je trouve que cette notion de définition, elle ramène à cette idée-là, en fait. Cette logique de composabilité, de pattern standard, de qu'est-ce que c'est une base de données dans l'entreprise X, qu'est-ce que c'est la notion de serveur virtuel, qu'est-ce que c'est un cluster Kubernetes. Et ça permet de créer de la standardisation, ça permet de créer de l'abstraction aussi, parce que, encore une fois, le dev, quand il veut créer une base de données ou une instance quelconque pour déployer son application, les policy IAM, la partie networking, tous ces sujets-là, ça lui passe au-dessus. Pourtant, vous êtes bien obligé de le faire quand vous le créez. Donc ça lui permet d'avoir des objets qui lui parlent, vous créez finalement une bibliothèque d'outils pour ce nouveau public. C'est ça qui est intéressant dans cette logique désenclavante de Crossplane. C'est que vous créez finalement des templates, des briques standards propres à votre entreprise pour un public qui est différent, qui est des consommateurs qui n'ont pas le même prix, qui ne sont pas des gens qui font de l'infra. Et ça rejoint peut-être au sein de l'entreprise quelque chose qui était subi plutôt que voulu jusqu'à maintenant. Je le dis autrement. Avant, on faisait de l'infra, enfin les gens de l'infra faisaient de l'infra, et les gens qui faisaient du dev déployaient des applications, enfin construisaient des applications qui étaient déployées par les autres. Mais quand le cloud est arrivé, il a amené un bouleversement. En fait, ce qui a changé au début, dès l'avènement des cloud vendors, par rapport à l'IT qu'on faisait dans le temps avec les fournisseurs de marché, les OBS et autres, qui vendaient déjà de l'infra finalement fournie par des tiers, c'est que les cloud vendors, ce qu'ils ont fait bouger, c'est qu'ils ne cherchaient plus à vendre de l'infra pour des gens de l'infra, ils cherchaient à vendre de l'infra directement consommable par des gens qui veulent construire et déployer des applications. Visual Studio et tous les écosystèmes de développement, dans le temps, c'était des produits à part entière. Aujourd'hui, Microsoft, ils vous paieraient presque pour utiliser leurs outils. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez leurs outils, vous allez utiliser les plugins qui permettent de déployer dans leur plateforme. Parce que la finalité, c'est de vendre leur plateforme. En gros, quand vous regardez le marketing des différents acteurs du marché, ils ne cherchent plus à parler aux gens qui font de l'infra dans les entreprises. Ils cherchent à parler de façon directe aux gens qui construisent du patrimoine applicatif, qui construisent de la valeur en réalité. Et d'ailleurs, ça crée d'ailleurs un certain nombre d'éléments de stress dans les équipes IT internes, généralement, qui se sentent parfois mises en porte-à-faux ou managées ou challengées. Ou quand ce n'est pas bypassé, et là, c'est le règne du shadow IT avec les équipes qui créent tout et n'importe quoi sans qu'il n'y ait plus aucun contrôle. Là, ce qui est intéressant, c'est que justement, là où les cloud vendors avaient essayé d'adresser directement ces principes-là, et aujourd'hui, on se retrouve dans une logique, avec ce retour de cette logique de blueprint, de template, si on peut dire, avec des gens qui ont une approche et une pensée plateforme, qui vont pouvoir continuer à déléguer les ressources à des gens qui veulent de plus en plus d'autonomie. Les équipes qui conçoivent les applications, elles veulent cette logique d'autonomie, de pouvoir construire, déployer leurs applications de façon plus autonome. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, du coup, on peut continuer à leur laisser la main, mais dans un univers qui est cadré. Parce que quand on leur dit, tu peux provisionner des bases de données, c'est pas faire tout et n'importe quoi sur une souscription Azure ou AWS ou quel que soit le cloud vendor, en fait. Ça leur permet de dire, tu peux créer un pattern de base de données standard qui est propre à la définition qu'on en fait dans l'entreprise, et ça permet d'avoir une logique de cohérence tout en te concédant de l'autonomie. Dans le temps, on arrive à faire ça en ségrégant et finalement
en ne favorisant pas cette autonomie. Aujourd'hui, on peut essayer de continuer à laisser cette autonomie tout en apportant une espèce de cadre, quoi. Ouais, c'est plutôt quelque chose qui est à l'initiative de l'infra, effectivement. Et en fait, ça apporte aussi une notion, pour dépasser la seule notion d'infra, moi, je trouve que ça apporte une dimension produit, en fait, à l'infrastructure. Je t'apporte des produits sur étagère et des produits qui parlent au public, à ces fameux devs. Globalement, je leur apporte des produits qui sont propres et standardisés à l'entreprise et qui sont backés sur les différents systèmes. Donc oui, c'est ça qui est intéressant, je pense. Ouais. Mais après, pour les updater, ce type de ressources, les bases de données, c'est toujours un cas particulier, parce que déjà, il y a toute la notion de thésaurisation de la donnée. Hein, faire une migration, ce n'est pas quelque chose de stateless, c'est simple, où il suffit de migrer une version logicielle. Il faut repasser sur le patrimoine de données, etc., etc., pour faire des migrations qui sont complexes. Donc effectivement, ça se gère de façon un peu particulière, mais c'est pas forcément vrai pour tous les services. Est-ce que c'est utilisé juste pour les services managés? Au contraire, non, ça permet d'avoir une logique d'universalité en mettant sur le même plan des ressources qui peuvent être de niveaux de profondeur différents. Parce que finalement, une base de données Postgre, c'est une ressource au même titre que un serveur, une machine virtuelle est une ressource. Au même titre que le réseau, un réseau dédié à une application est une ressource, etc. etc., etc. Donc ça permet finalement d'avoir des ressources de niveaux de profondeur différentes en termes d'infrastructure qu'on va permettre de créer sous la forme de building block qui soit dans un paradigme unique qui est la notion de ressources appliquées, de ressources consommables très adossées à une logique produit en fait. Mais effectivement, certaines ressources sont plus spécifiques à migrer que d'autres. C'est aussi pour ça que quand je parlais de simplement détruire les ressources, bah, typiquement dans le cas des bases de données, c'est typiquement ce qu'on va généralement pas faire parce qu'il y a du patrimoine à aller gérer derrière. Oui. Ouais. L'effort, il va surtout porter sur la construction des compositions qui va permettre finalement de définir les différentes variantes. Globalement, tu vas te retrouver avec une définition qui est universelle, qui est pas propre à un provider ou à un autre. Au contraire, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc, tu te retrouverais dans cet exemple-là avec une définition. Et ensuite, tu pourrais avoir des compositions qui permettent de matérialiser finalement cette définition pour chacun de tes cloud vendors. En gros, avoir une définition de ce que c'est une base Postgre et d'avoir derrière une composition qui est la composition pour une prod sur GCP, une composition pour un environnement de, je sais pas, de formation sur GCP, une composition pour un environnement de test sur AWS, etc. Tu peux le démultiplier comme ça. Ce n'est pas juste une histoire de créer des compositions par vendor. Tu peux utiliser la notion de composition pour définir des types d'environnement aussi, par exemple. Alors, ce risque existe toujours, évidemment. Après, tu as des moyens de pallier à ça.
au tout début de la discussion, j'ai créé un provider et la toute première commande que je tapais sur Azure, c'était en gros la création d'un service account sur ma souscription pour pouvoir ensuite déclencher le provisionnement de ressources. Mais je peux continuer à utiliser un certain nombre de principes. Typiquement, j'aurais pu créer des comptes de services disjoints qui aient accès à des sous-ensembles de ressources. Je ne suis pas obligé d'utiliser un service account qui donne un accès open bar à toutes les ressources, et c'est mon compte de service pour Azure. Là, j'en avais fait un, j'avais mis par default, mais on peut tout à fait imaginer d'avoir différents comptes de service adossés du coup à des limitations, des caps différentes par équipe de projet applicatif, par exemple. Donc, ça reporte le problème sur ton cloud vendor, où tu le définis dans où ces caps et ces limites, tu les définis dans tes paramétrages. Mais oui, il faut de toute façon l'adresser si tu veux en garder le contrôle, ça c'est certain. Ok, je crois qu'on a terminé. Bah, du coup, si vous voulez qu'on continue à discuter, on peut discuter à côté. Et puis j'essaierai de faire marcher ce fichu cluster.